Bonsoir, bonjour, bienvenue sur Channel ça. Et nous allons parler de stock market, qui a avantage qu'il gagne et puis qui est inconvénient tout, qui ça qui convient. Le premier inconvénient, avant que nous commencions avec avantage, c'est que Haïtien, premièrement, par contre, on est dans le stock market, pile dans yo, et puis simplement spéculer. Il a dit que dès que vous mettez l'argent dans ce market là, et un petit cadeau perdu et tout ça, et puis, bon, il est plus focus sur comment vous avez perdu et qui ça vous a gagné. Et il est plus convaincu comparer ce market là avec ça que vous avez bolette en créole. Donc, bolette dans le sens que son bolette pour jouer, vous avez ou peut-être qu'on a gagné, on a plus de chances perdues. Donc, je viens de dire que le stock market là, il va s'allier. Il y a pile de choses qu'on a fait pour réussir dans le stock market là. Et je connais qu'il y a pile d'Haïtiens qui ont connaissance du stock market là. En pile dans eux, pas expliquer ou bien pas dire grand public là, qui ça qui est dans le stock là, et comment on a investi, et comment on est capable financièrement indépendant et des familles à l'avenir. Donc, je dis à commencer avec vidéo yo. Et songez que je pas un professionnel, ces vidéos ça yo, tout conseil ça que m'a bail là, songez que pour consulter un professionnel avant que vous preniez décision personnelle. Remember, I'm not a professional, I'm not an advisor. Everything I'm about to say, remember to consult, speak to your professional advisor before you make any decisions. Ok. Et cette market-là, qui s'allie? Cette market-là, c'est quoi? M'a dit son équipe compagnie qui gagne et puis le gouvernement Ballot depuis au récent IPO et vous mettez et au grand public là, moi-même ou même tout le monde. Et il y a une possibilité côté qui nous capable acheter un petit morceau dans la compagnie. Nous sommes capables de dire que nous mettons 100 dollars dans la compagnie et puis la compagnie fait profit et puis nous avons nous et petit copain. C'est comme ça que cette market là il fonctionne. Cette market là est régularisée par Security and Exchange Commission, SEC, et qui est une agence gouvernementale dans les États-Unis. Qui a régularisé cette market là. Donc ça veut dire qu'il y a un pile zier parce que la grande pile comme la donne, grand pile zier gouvernement a regardé pour qu'on va la fonctionner. C'est un bail que tout le monde fait et dans le vent et puis que vous connaissez que bon, il va le voler comme. Et puis encore, on l'autre compagnie, les fans là, et cette market là, et il y a qui régularisé les gens qui a venu acheter, broker, et puis ferme, compagnie, et puis. Qui est régularisé. Ok, bref. On nous dit que la vidéo ça dit pour tout le monde. Maintenant, si vous êtes un petit jeune qui est entre les États-Unis, qui a 19, qui a 20 ans, qui a 21 ans, 22 ans, 23 ans, quoi, vous voulez avoir plus d'avantages dans la vidéo ça qu'un monde qui a 50 ans. C'est parce que le monde qui a 50 ans pas un avantage de vidéo ça, c'est parce que il est extrêmement difficile pour monde qui a 50 ans pour investir dans le market là, là ça pour être millionnaire. Ou capable soit vivre 80 ans, 90 ans. Mais pour un bagage qui est facile. Tantôt plus jeune et tantôt plus avantage dans le stock market. Ça fait me dire ça par le fait que on parle de le compound interest. Compound interest, là c'est le fait que comme au métier il y a une possibilité pour faire petit, faire petit, faire petit. Tant ou bien plus de temps pour faire investissement, c'est tant qu'on a plus de temps pour grandir et dans la market. Ok. Et avant tout, on nous parle de maintenant, avant d'investir dans la market là, il y a plusieurs barres qu'on a besoin qu'on ait. Et au besoin qu'on ait, ça a et qui niveau tolérance dans le sens que risque tolérance. Ok, risque tolérance, c'est qui soit accepté
mon pas capable. Tout le monde a investi dans le market là. Vraiment, en pile monde, ou bien en pile haïtien, en pile monde qui va le cœur, en pile monde les Asiens investi dans le market là, indirectement, ou pas même rendre compte. Premier moyen, mon investi dans le market là, c'est le fait que vous allez ou jouer au travail, travail à dire que, ok, oui, nous offrons for 01K, nous offrons for 3B, nous offrons TSP. Et pour moun ki pa konn sa 401k ou sa retribution, c'est un programme de retirement qui travaille offri. Et pas tout travail, mais le travail qui offre li. Il dit que oui, travail moi gen 401k. Et qui dit oui, travail moi by 403b. Et travail moi by TSP, si c'est gouvernement. Donc, qui permet. Maintenant, moun nan indirectement, sans pas konn, li investi market la, mais pendant ce temps, il a parlé market la mal. Moun nan a mis comme 5%, 2%, 3% dans 401k ou bien dans 403b ou bien dans TSP. Et puis, il a dit que, oh, les markets la crash, ouais, tout l'argent, ou te voyez, c'est le market là. Parce que maintenant, indirectement, sans pas rendre compte, il investit dans le market là. Comme ça, le gouvernement, les compagnies, on prend le nom, ils mettent dans le market là. C'est ça que fait lorsque, à l'avenir, lors 15 ans et un half, 59 ans et demi, lorsque vous gagnez l'âge pour dire qu'on peut travailler encore, puis que non seulement que vous avez une bonne pension, des bons ou petit cob que vous avez investi dans le marché là, qui c'est cob vous avez mis dans 401k ou là, et cob vous avez mis dans 403b ou là. Mais maintenant, je veux que vous avez connaissance des cob ça que vous mettez dans 401k avec 403b ou là avec TS ou bien TSP ou là. Maintenant, probable qu'on ait niveau tolérance avant que vous investissez dans le marché. Niveau tolérance, ça veut dire que c'est qui sort qu'à accepter ou pas accepter. Ou exemple, tant ou plus jeune, il y a plus de choses qu'à accepter dans le marché là que tant ou plus grand monde. Si vous avez 19 ans, 20 ans, nous avons investi dans le market là 22, 23, 24, 25, 23 ans. Nous avons investi dans le market là agressivement. Agressivement, je veux dire, nous avons acheté stack seulement sans que nous avons acheté bon. Ça veut dire, stack by plus intérêt, maintenant, les plus risqués. Okay? Bon, qui c'est gouvernement bon, il y a les bon, les by moins intérêt, mais qu'on boit plus en sécurité. On met koboa dans market là en bon d'abord 2% d'abord 3% mais là dans les market là tombé koboa plus en sécurité koboa pas et déjà dit descendre on pas perdre dans koboa. OK, là on gagne en pile haïtien qui attend de me la dire oh mais là c'est pour ça plutôt m'acheter bon parce que en pile nous même nous aimer ça en sécurité. Et bien OK. Oui, il est bon pour acheter bon, pour balancer, ça balancer contre entre et stock et bon balancer account là de manière à ce que lorsque market a tombé ou pas perdre tout son possédé, ou toujours gain moyen pour corboa en stabilité. Mais maintenant, tant ou plus jeune, ou plus moyen côté que capable dit que et capable dit que bon m'a prend risque. Ça qui fait ou ka prend risque lors jeune, c'est pas le fait qu'on gagne pile temps devant pour récupérer. Si ou moun jeune ou investi market là, conseille ou aller agressif. Agressif bon moyen pour faire en pile comme dans market là. Si market là a tombé puisque ou jeune gagne pile temps devant ou gagne pile temps pour récupérer. Donc tant ou plus jeune d'assouti sur la PVC market là elle est agressive. Et maintenant changer que me dit que c'est ça dépend des niveaux de tolérance qui risque tolérance qui sont accepté. Maintenant ou ca balancer à 40 de manière à ce que pour si market là grand activité et qui vont descendre quand les market là tomber ou pas perdre ça. Sous dans 50 50 combien ton pour investir ou choisir dans moment ça 50 50 pour investir dans market là. Dans souhaiter que toujours qu'à investir. Pas grand l'or pas qu'à investir mais maintenant aussi poser investir de manière à ce que ou pas prendre trop risque sous corbois. Par le fait que
si vous connaissez vous avez retiré ou bien vous suspendez le travail dans 5 ans, 6 ans, dans 7 ans, 8 ans, vous n'avez pas trop de temps pour récupérer si le marché a tombé. Depuis bon, si vous avez investi de manière à ce que vous avez 3-4% d'intérêt dans le marché pour que l'argent soit safe au lieu que vous investi ou on a intention que vous rejoignez 8% qui c'est average market là stock market là et qui année dernière 2019 S&P 500 là tu bail un return de 31% dans année ça année 2019 là. Donc capable comprendre que tout le monde qui investit agressivement dans qui t'a acheté S&P 500 dans année 2019 là yo fait fête. Donc et dans sens ça donc et si ou gain l'âge avancé ou choisi investir dans market là et choisi pour capable petit gens moins risqué comme moi mais sous pigeon on capable prendre risque. OK, dernier point m'a metté et nous aimer gain gros à 40 nous même haïtien en pied l'autre nous tout en pile l'autre monde qui pas connaît ko de gagne 100 000 200 000 300 000 400 000 dollars sous carnet banque non les banques là comme ça investir lui même il fait intérêt sous lui et puis ou même yo pas bon même 1% sous lui et vrai ou supposé gagne emergency fund dans ca sous ca carotte dans banque pour un petit comme emergency 2000 dollars ou 3000 dollars emergency dans banque là maintenant sous bon corps ou série à l'avenir pour retirer ou bien l'autre bagaille et songer pour comme ça il t'a mieux se mettre d'un côté qui a bon plus intérêt sur songer tout que comme ou gain dans banque même inflation li pa ka bat inflation aux États-Unis dans moment ça li environ et 2% donc même 2% ou pas bas ça veut dire que comme on pas même bas inflation ça veut dire que sur 100 000 dollars sur canelier c'est valeur comme on a perdu chaque année comme on a perdu valeur ça veut dire comme on a descend il va augmenter donc de ce fait tout à l'heure c'est que canel choisi une banque qui va au moins 2% pour lui dire et mettez comme là sous banque ça de manière à ce que au moins ou capable battre inflation. Donc dans prochaine vidéo yo on va faire m'a préparer pour m'expliquer où et quel type d'investissement investissement qu'a fait comment pour acheter stock dans market là et comment ou capable choisir un portfolio et expliquer qui différence qui gagne entre un fonds indexé index fund avec un mutual fonds coopérative pour moi expliquer différents types et différents comparer qui gagne qui vend stack et quand vous achetez en pile gagne qui vous achetez seulement et sur internet gagne Vanguard qui c'est préféré mais c'est une compagnie qui réellement aime Vanguard gagne TD Ameritrade gagne Schwab's gagne met you name it la paquet compagnie qui vend stock mais maintenant il est toujours bon choisir compagnie côté que qui pas cher à charger ou trop intérêt ça veut dire que l'homme de combat avec yo et qui pas cher stock acheter a yo bon belle yo le ça like expense ratio pas tellement gros. Ça veut dire que les filles qui chargent la frais qui chargent la pas tellement pile de manière à ce que vous pas pour trop comme accumuler dans le stock market là. Vidéo ça va un peu seulement environ 14-15 minutes. Maintenant, ma continue à faire comme ça. Mais si vous avez information ça que vous avez, c'est une information que vous aimez, pas oublier pour abonner, subscribe. Et then si vidéo ça vous joint qui est important, like yo, share avec un pile d'amis. Like those videos and subscribe to the channel so that vous capable joindre en pile l'autre information qui a venu au sujet de stock market. Bah, titre comment pour et
acheter stock, comment pour investir, comment pour capable et payer des taux pour capable investir plus et en pile d'autres bagages que vous avez fait dans stock market là et comme vous voulez, vous capable venir un millionnaire seulement dans stock market là. Il y a une possibilité et spécialement sur plus jeune que plus grand monde. Ciao.